quand les ambassadeurs arrivent, l'ambassadeur quitte le pays à la fin de leur mission. Et c'est normalement, les missions, c'est relativement brève. 3, 4, 5 ans, c'est déjà beaucoup. Dans mon cas, c'était 6 ans de ma présence au Burundi, et maintenant, le moment de mon départ. Donc, c'est le devoir aussi, la tradition, de tour d'adieu, de courtoisie, de visite de courtoisie, de dire adieu aux autorités du pays, et aussi à l'Église, dans mon cas, l'Église catholique, bien sûr, que ce jour, je m'approche à quitter définitivement Burundi. Alors, où j'ai passé dans l'ensemble 8 ans, 2 ans dans la première période, 6 ans maintenant. Alors c'est la visite chez son Excellence pour dire, pour remercier pour l'accueil, pour la collaboration avec les autorités et avec, pour dire adieu, pour prendre mon congé de pays. Vraiment, c'est principalement ce motif de ma visite. J'ai observé depuis longtemps ma première visite au Burundi, mon premier séjour ici, il y avait plus de 30 ans. Alors, j'ai observé une longue période de transition, de changement de pays, n'est-ce pas? Et j'ai trouvé beaucoup de changements très, très positifs. En général, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ils sont visibles, ils sont touchables. Donc, quand je me souviens de la situation de 89, quand je suis arrivé ici, et maintenant, nous pouvons dire, ça, sans exagérer, mais ce sont les changements épocaux, je peux dire. Si vraiment c'est quelqu'un qui se souvenait de l'histoire, on s'est année passée, non? Alors. Et je peux confesser aussi qu'à mon arrivée il y a 6 ans, à mon retour il y a 6 ans, je venais avec une certaine préoccupation, surtout en souvenant, tenant dans ma mémoire les années de guerre civile. Et à ma surprise, j'ai trouvé le pays bien progressé, bien changé, vraiment positivement changé. Que de mon souvenir était vraiment loin et n'est pas correspondant plus à la réalité. Que le changement, la capitale même, mais le pays en général, vraiment. Je le trouvais beaucoup plus, encourageant. Respect à cette année que j'ai été la première fois. Et je pense que c'est la situation, c'est le processus inarrestable qui continuera. Surtout dans le monde de globalisé. Alors, cet progrès qui a achevé déjà continuera. Et je le souhaite à tous les pays. Et à tout le Burundi, bien sûr. C'est mon vivant souhait.